Je m'appelle Reysad, je viens de la Syrie, je suis arrivé en France en 2016. Après, j'ai validé mon master relations internationales. Après, j'ai fait des stages auprès des institutions européennes et travaillé comme un chercheur après. Et comme ça, j'ai découvert l'importance des données, des analyses de données en masse. En fait, j'ai entendu parler de ce programme grâce à un groupe Facebook dont j'ai fait partie. Et après le retour de ces membres, ils m'ont recommandé de joindre le programme. Et ensuite, l'entreprise Generali est reconnue dans le contexte assurance et sa base clientèle est énorme, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de données à analyser. Et comme ça, je apprendre les métiers et améliorer mes compétences dans le domaine d'analyse de données. Je suis Soisy Crousset, je travaille chez Generali depuis 23 ans. Aujourd'hui rattachée à la direction de la conformité, et je suis manager d'un département qui supervise les dispositifs de contrôle. RES apporte de la nouveauté dans l'équipe, de l'ouverture, une forme d'humanité et beaucoup de compétences sur un domaine d'expertise que l'on recherche dans la direction et puis dans mon département, notamment sur de l'analyse de données. Il m'apporte l'opportunité de sortir de ma zone de confort. Ça m'oblige à revoir mon mode de management et aussi à revisiter mon mode de communication. Et puis, il m'apporte une richesse humaine, une expérience différente d'un point de vue personnel. Je suis Moïse Emadali. Je suis en charge du pilotage et animation et contrôle des délégataires, rattaché à la direction de la conformité de Generali France. Et je suis tuteur de RES-SAD dans le cadre du programme Actual. Le rôle de tuteur est double dans le cadre de ce programme Actual, puisqu'il y a un rôle classique dans l'accompagnement de l'alternant dans l'intégration dans la compagnie, mais aussi dans le suivi de son parcours de formation. Il y a un côté plus humain sur son accompagnement s'il le souhaite et s'il ressent le besoin sur des démarches extra-professionnelles ou administratives au regard des différentes barrières qu'il peut rencontrer, que ce soit sur la langue ou sur la réglementation en France. Alors j'apprends chaque jour sur RES, je découvre une nouvelle culture, une nouvelle histoire. Ce programme permet de faire de belles rencontres. Et cette expérience m'a permis d'accompagner différemment, mais aussi d'avoir beaucoup d'empathie.